Hey 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 hey! Les chevaliers maudits du web, c'est Dargorlord, votre youtubeur le moins connu du monde. Et on se retrouve pour l'épisode 6 de Dark Souls 2. Et je sais même plus du tout où je suis parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Bah tout le week-end j'ai pas joué. Et là, donc on est dans la salle. Ah ouais, du coffre qui pète. D'ailleurs il est pété, ouais. Il a fait un P tellement puissant qu'il a explosé le coffre. D'ailleurs, il a dû lui exploser dans sa pouille, voilà. Là, on voit très bien que le coffre était piégé et il s'est mangé tout le poison dans sa gueule. Voilà, on l'appellera le coffre qui a le P qui pue. Et bah, y a rien là-bas. Je crois que c'est un cul-de-chatte. Ouais. Bon, je sais même plus du tout où je dois aller, je sais même plus ce que je dois faire. Il me reste 11 gemmes. C'est pas trop mal. Bon, déjà, la zone, elle est nettoyée, c'est déjà ça de moins. Tant que je me prends pas ces trucs de merde, il n'y a pas un truc caché ici? Non, ça va. Alors là-bas. Ah ouais, là-bas, il y a Tortue Ninja, c'est vrai, putain. Avec deux bombardiers. Je sais pas ce qu'il y a derrière, j'ai pas envie de savoir. Là, il y a un zombard. Posé. Quoique. Attends. Je peux pas le sélectionner. Peut-être. Ah, c'est peut-être pas un zombard. Hello there. Ah, c'est un PNJ. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? Ouais, c'est pas tes affaires. Pat. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Aha. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, Attends, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. Entrer en premier. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. T'es un salaud, toi. T'as piégé le pauvre homme qui est rentré là-dedans. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to you. Pétochard. What might be inside. Bon, alors, à mon avis, bon, il y a un trésor là-dedans, donc j'y vais. Meurs. Alors là, j'ai toujours pas compris comment il faisait cette attaque, moi. Il faut pas rester appuyé. J'aime bien ce cimetière. Surtout quand il fait la roulade en avant et ventrer direct. Salaud! Putain! Ouais, en fait, voilà, ouais, la salle se piège direct. Mais est-ce que c'est... Je suis sûr que c'est lui qui la referme, c'est pas possible, quel enculé. Oh putain. Ah, celui-là, dès que je reviens, je le bute. Oh mon dieu. Ah, je la sens mal là. Je la sens, mais alors méga mal. Yes. Attends, je préfère lire le message. Trio droit devant. Haha, merci. Ça bouge. Oh putain. Le pétochard que je suis. Ah putain, non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. C'est des lanciers, je déteste ça. Bon, un de moins. Alors le trio, ouais, ok. Mais fais une attaque, fais un truc, arrête, non, pas... Connasse. Voilà. Oh,
Voilà, ça c'est bien. Crève. Voilà, dodge. Je déteste les lanciers, putain, c'est un truc de fou. Je les gère assez mal. Surtout avec leur bouclier de merde. Putain, 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 putain. Putain, putain, putain. Limon aromatique. C'est quoi, c'est du parfum maintenant? Ils nous foutent dans ce jeu. J'ai 4 couteaux, j'ai une bombe incendiaire. Fragment. Ah, j'ai une fragment de fiole d'Estus. Estus. Bon. Il y a. Putain. Ouais, toi, tiens, viens voir papa. Ah non, il y a un deuxième. C'est dégueulasse. Putain, c'est pas possible. Pétochard. Oh non! Qu'est-ce qu'il me fait? Non, pourquoi? Pourquoi? Il m'a fait retour au bureau, là, j'ai pas compris. Je vais relancer la vidéo au cas où qu'elle soit buggée. Voilà, re. Bon, il recule. Putain, il m'a fait retour au bureau. Pourquoi? Pourquoi il me refait ça? J'avais ce problème-là ce week-end parce que je jouais à un autre jeu. Je l'ai désinstallé hier soir. Enfin, ouais, hier soir. Et après, quand je m'étais fait une nouvelle partie sur Dark Souls pour voir si ça allait refaire ça. Ça le faisait pas. Parce que tous mes jeux, ils faisaient retour au bureau. Bon, il se barre apparemment, de con. Oh non, mais merde, quoi. J'espère qu'il va pas le refaire. Ouais. Oh, c'est bien, là. Je peux les choper un par un. Ah, oh, allez, reviens, trou duc. Rêve. Ça, c'est fait. Il est où, le trésor? Putain. Ça me saoule, ça. Il y a un arbre zarbi, hein. En dessous. Ok, ta race. J'aimerais lire ce qu'il y a marqué là. Pas possible, d'accord. Loué soit le soleil, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le soleil, quoi. Loué soit la nuit, putain. Pour Sohura. Ah ouais, vas-y, je lui fais un assassinat aérien là, direct. Ah non, mais vas-y, tu me bloques pas toi. Tu me bloques pas toi. Y'a pas de coffre, y'a rien, vas-y, genre trésor, mes boules. Mes boulous. On peut pas sauter par là. Mais c'est pas possible ça. Mais alors ça sert à quoi ça sert à quoi d'avoir fait ça? Putain! Comment j'arrive de l'autre côté, moi? Il y a une échelle, là. Ok, bon, on va essayer de prendre l'échelle. Putain, je vais me casser la cheville, là. Aïe! Allez! Des points de vie en moins, ça fait toujours plaisir, hein, dites donc. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi, ce bruit? Ah, oh, Tortue Ninja, c'est vrai, putain. Attends, j'ai pas une bombe incendiaire, je crois que j'en ai une. Ouais, mais elle est pas équipée, quoi, évidemment. J'ai pas envie de me le faire, ce gros. En plus, avec ces autres cons, là. Allez, viens par là! Il veut pas, hein. C'est pas possible. Mais c'est quoi, cette arnaque? Allez! Je suis pas assez beau pour toi, ou quoi? Bon, tant pis, je m'en fous, je me tiens. Tant que je peux esquiver, j'esquive. Oh la vache! Oh l'enculé! Tiens! Bâtard. Sale bâtard! Aïe. Je vais prendre une fiole. Parce que ça, ça se régène au feu de camp, donc... J'en profite, je vais pas gaspiller mes gemmes, c'est bon.
Parce que je sens que plus ça va, plus ça se fait rare, ces saloperies. Putain! Ah ouais, c'est plus que Zarbi cet arbre-là. Grande dame. Oh, grande dame. Putain, j'aime les grandes dames. Alors, il n'y a pas une échelle là, j'avais vu. Ouais. Alors, on y va. X. On y va. X. Voilà. Bonjour, saleté. Arbalète. Oh. Oh. Où est soit les arbalètes? Je dois avoir des carreaux, moi. Impossible. Quoi? Pourquoi ta mère? Putain, il manque de la force. Ah! Sodomiste. Il manque de la force. Je suis à 42%, ça va, je peux emporter des trucs. Hein. C'est ça d'avoir une armure légère, putain. J'ai 4 couteaux. J'ai pas envie de les gaspiller, ces 4 couteaux, putain. Mais je vais les gaspiller quand même. Toujours un de moins. L'autre, j'essaie de me le faire au corps à corps si possible. Bonjour. Je me tire. Ouais, mais ok, ouais, il faut avoir une torche allumée pour allumer ces bordels. Le jour où t'as une torche allumée. Oh, il y a un coffre. Mais il est là, le coffre. Ah, oh, putain, comme quoi c'est bien de jouer un peu avec les caméras. Alors lui. Crève. Allez, toi. Ah, le bâtard. Oh, c'est quoi cette arme? Il y avait une épée d'estoc, l'enflure. Ça pique, les épées d'estoc. Bon, un coffre. À mouet. À mouet le coffre. Ah oui. Casque de fantassin. Perce-maille. Ah, ça doit être une épée d'estoc, ça. Perce-maille. Es-tu plus puissant que mes autres épées, perce-maille? Absolument pas. Et celui-là, il est pareil que l'autre, sauf qu'il est encore plus pourri, quoi, en fait. À part sur les estocs et sur le poids. Malgré tout, ça peut être pas mal, une épée d'estoc. Je vais la remplacer par celui-là. Dans les couloirs étroits, ça peut être pas mal. J'ai pas de... C'est là les flèches, ça c'est pour les flèches, ça c'est pour les arbalètes. Hop. Moi c'est déjà ça d'équipé. On va rester comme ça pour l'instant. Et donc cette arme. C'est une épée ça. C'est une dague, oui. C'est laid. Mais c'est laid ce truc. Oh putain, je garde ma cimetière, elle est mieux. Bon, par contre, comment on descend? Je crois que je me suis bien fait enculer par le diable maintenant, hein? C'est bon ça. Ah! Ah, ça fait pas mal comme ça, c'est bien. Qu'est-ce qui marche encore? J'entends marcher. Lui, je vais balancer la bombe incendiaire comme ça. Ça sera fait. Ah, je suis trop. Ah! Ah, le con quoi. Et en plus ça lui donne pas envie de bouger hein, franchement. Crève. Oh putain. Je me fais exploser la gueule quoi. Oh le fait est encore heureux que je suis pas mort quoi, parce que là. Une mort si chier quoi, c'est. C'est pas acceptable. Ouais, je fais toujours bien d'essayer de regarder un peu avant. Ah, ça c'est bon ça.
C'est bon ça. Gemme de vie, hausse de retour. C'est bon ça. On a deux. Ouais, mais c'est des lanciers, putain. Ah, oh, c'est verrouillé. Je t'en foutrais, moi, que c'est verrouillé. Bon, lui, déjà. Mange et mange. Ça fait toujours un de moins. Ça fait plaisir. Mais sérieux, oui. Mais sérieux, oui. Mais sérieux, oui. C'est pas possible. On se tape tous les deux en même temps, ça, on en finit jamais. J'ai chopé une lance. C'est bien. Bon, allez, bois ça, cul sec. Ouais, alors j'ai chopé une lance. Ça peut être pas mal ça aussi, une lance. Ouais, quoi, c'est la dextérité qu'il me faut là? Attends, merde. C'est là. Comme si j'avais pas... Hein, c'est... Quoi? Ouais, c'est la dextérité. Comme si j'étais pas, j'avais pas assez de dextérité, mais c'est fou ça. J'augmenterai la dextérité pour cette lance, ça m'intéresse d'avoir une lance. Ça changera que l'autre épée des stocks à la con. J'entends grogner. Putain. Toi, je te laisse pas le temps de faire quoi que ce soit. Oh mon dieu, je vais mourir. Je le sais direct. Ah putain, mais s'il est là-haut, c'est qu'il y a une raison. Je vais essayer de l'attirer en bas. Il veut pas. Oh! Évidemment, j'ai plus de couteau. Ah, eh, évidemment. Putain. Ah, c'te chier quoi. Ah non, c'te chier quoi. Mais comment il est... Attends, j'arrive pas de là-haut. Non, ça, j'arrive pas de là-haut. Comment je fais pour arriver là-haut et le défoncer avant? Parce que je sens qu'il va me... tomber au bon moment. Voilà. Viens là, viens là, viens là, viens là. Ouais. 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 Attends, il redonne un coup, là. Voilà. Ça, c'est de la strat. Voilà. Je suis tranquille. Bouclier de soldat carapace. Ouais, ça doit être de la merde. Tout ce que ça vient de ces conneries, là, c'est de la merde. Il n'y en a pas un autre, hein. Ou pif, on sait jamais. Au cas où, un troisième pour la route. Je savais bien que ça cachait quelque chose. Une hallebarde. Entre l'hallebarde et la lance, ça doit être pas mal. Ouh là là, putain, je me fais de ces frayeurs. Ah, la brume. Qu'est-ce que cela va me révéler? Où suis-je? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens là, toi. Même pas que je peux le taper. Je vais réveiller l'autre con. Ah oui, d'accord, ça disparaît en, comme ça, ouais. Pourquoi pas. Toi, je te laisse pas le temps de faire quoi que ce soit. Sale fourbe. Là, ça mène à... une part, un objet. Putain, mais j'en chope des boucliers, là. J'ai ça comme bouclier. Ah, ça, ça me fait plus de résistance, apparemment. Je vais remplacer par lui. Ah, celui-là aussi. Malgré tout que ce soit... Ouais, mais bon, c'est juste pour sur la physique, quoi. Après, pour le reste. L'hallebarde. L'hallebarde, c'est la force, évidemment. C'est plus lourd. N'empêche, je peux être vraiment bien blindé en armes si je me si je porte que des armures comme ça, légères. En plus, elles sont stylées. Et puis, franchement, dans ce jeu, je pense, entre les armures légères et les armures lourdes, ouais... Il ne doit pas y avoir trop de différence. Hein. Les monstres en deux coups, ils vous achèvent comme ça. J'aime pas les bruits dans ce jeu.
Si je saute, je meurs. Je crois, hein. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois. Flèche de feu. Attends, c'est pour descendre ça? Y a quoi en dessous? Ah, oh, ah, hu. Amen. Putain, mais pourquoi il me fait des retours au bureau maintenant? C'est pas possible. Je crois que ce problème était réglé, mais non, ça recommence. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Fais chier, quoi. Je comprends pas. En fait, là, je crois que ça me ramène au début, là. Ouais. Eh ouais. En dessous, je crois qu'il doit y avoir un boss. On verra ça plus tard. Mais pourquoi tu fais cette attaque de merde? On va se prendre le gratuit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. État critique, j'ai pas compris. Oh putain, ouais, il est mort. Bombe incendiaire, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'ai l'épée qui est complètement naze, quoi, en fait. Bon, de toute façon, je vais retourner au feu de camp et puis ça sera réparé en 2-2. Pas mal la tenue. Bon. Putain, fait chier ces retours au bureau, je comprends pas pourquoi ça le fait. J'ai pourtant tout désinstallé à la truc à la con. Je ne comprends pas du tout. Il y a un bruit chelou là. Ici. Un petit truc qui scintille. Bon, on va s'essayer à ça un peu. Où est-ce que ça va m'amener ça? Hop là. Ça fait mal déjà, rien que de descendre. Putain. Assassin's Creed ou pas? Pas du tout. Ah si. Ah, j'ai réussi à l'avoir avec l'autre, tiens. Pas mal. Vu que je savais que je l'avais chié avec le droit, hop, je l'ai fait direct avec le gauche. Ah, sympa. Bonjour. Au revoir. Ouais. Dako. Ça flambe là-bas. Putain. Bonjour. Oui, t'as raison. Continue comme ça, garçon. Continue comme ça. Continue comme ça, garçon. Ah. J'ai serré les fesses, quoi. Effigie humaine. Putain, je commence à voir la collection. Ouais. On peut descendre comme ça. Y a un truc là? Non, y a pas de truc là. Ouais. On peut descendre comme ça. Oups. Allez, descends et meurs, salopard. Oh, c'est moi qui descends en plus. Il y a des bruits de pas de partout, ça me saoule. Ça fait peur. Bon, c'est bon, il est mort. Putain, il tombe de tout ça, là, il a plus de vie, il survit. Moi, je fais la même chose, je crève direct. Et pourtant, je suis full life. C'est de l'injustice la plus totale, ce jeu. Putain. Oh, de Dieu. Crève. Méchant zombard. Ok, on descend par là. Putain. Plus ça va, plus ça devient de l'Assassin's Creed. Vision de endroit sombre. Ok. Ouais, il y a de l'orage là-bas. C'est tout. Arrête de chier dessus, mon gars. Allez, viens voir papa. Et meurs. T'as un objet pour moi? Merci, c'est gentil. Aussi meurt. Ah ah, oh oh, hu.
Putain, j'ai de la chance de me retourner au bon endroit au bon moment, quoi. C'est fou, ça. Le nombre de fois que j'aurais dû me faire avoir par surprise. Je peux pas choper cette arme-là et le balancer dessus, là. Connard, crève! Ouh! Putain, j'ai... Maintenant, je le fais aussi avec le gauche. En fait, je crois que je... au moment où je tape, au moment que lui aussi il tape, ça doit faire un... une brise garde ou un truc comme ça, en fait. En fait, il faut frapper au... au bon timing. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Je pue, c'est ça ou quoi, mon gars? Même pas qu'il me calcule. Ça n'a pas l'air super agressif, cela. Je marche sur ces flammes, je crame, c'est ça? J'entends un grenier. Putain, c'est quoi ce truc? Oula! Oh putain! Donc quoi, il faut bien... C'est bien d'aller en arrière des fois, comme un lâche. Oh putain, c'est pas possible. Mais cette fourberie, ce jeu. Putain, je suis là, y'a rien, je rentre là-dedans, ça arrive de tous les côtés, quoi. Mais y'a un truc bien là, je peux pas le choper. Mon dieu. 1, 2, 3. Non. Casse-toi, mon gars. Je sais pas. C'est pas possible, on peut pas passer par là. C'est quoi ce statut chelou là? Chelou. Pour monter par l'échelle là-haut. Putain, tu m'énerves toi. Pas passer par là, c'est pas possible. Timing trop serré. Oh. Putain, je comprends pas. Il y a une porte là. Allez. Salamandre de feu. Vite, 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 vite. Oh mon dieu, vite. Putain, salaud. Putain, ça m'a rien touché, ça m'a pas touché heureusement, mais. Fou. Putain, va pas me toucher ici, hein, surtout, hein, parce que franchement, je pète un plomb. Non, une épée longue de feu, ça c'est bien, ça c'est bien. Youhou! Ah! Putain, là, ça m'a touché, quoi. Vas-y, cours, 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 cours. Putain. Fiole. Gluck. Bon, Je pense pas que ce soit on puisse passer par ici. Non, c'est mes bruits de pas. Putain, je suis en train de guincher sur mes bruits de pas. Je suis là, attends, il y a un monstre qui me court après. Non, c'est juste moi qui cours. J'aime de vie. Voyons voir cette épée. Ouais, on va voir avec ça. Comparé avec celle-là, l'épée de foudre. Alors, elle fait plus de dégâts. Réduction de dégâts physiques. Ouais, ouais. Bien sûr, ça fait plus de feu, heureusement. Et après, les autres stats, ça descend beaucoup. Comparons avec la cimetière. Bien sûr, ça fait moins de dégâts physiques, mais après, pour les autres stats, c'est pas trop mal. C'est une épée des stocks aussi. Bon, ça y est, réfléchir. Bon, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Donc, c'était l'épisode 6, je crois, ouais. C'est pas un monstre qui est là-bas. Non, c'est pas un monstre. Donc, c'était l'épisode 6 de Dark Souls 2 avec Dark Overlord. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!